Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la diète du cuisinage. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vais réaliser des biscuits à la semoule avec un ingrédient secret. Et on passe de suite aux ingrédients de la recette. Donc, il nous faut de la semoule fine. Il nous faut également de la farine, de la levure chimique, une demi-cuillère à café de levure sèche, du sucre vanille, de l'huile, de l'eau tiède, de la confiture, du sel et du sucre. Et de l'eau tiède. Donc prenez un grand bol. Dans mon bol, j'ai mis la semoule fine, comme vous avez vu. J'ai mis du sucre, de la farine, T45. Je vais mettre 1,5 cuillère, 14 grammes. De levure chimique. Donc, je mettrai les ingrédients en barre d'infos en bas de la vidéo. On mélange bien le tout. Le sel. Une demi-cuillère à café de sel. Je fais un puits. Je vais mettre de la levure sèche. Un tout petit peu de levure sèche. Donc, et voilà, on va commencer à mettre le liquide. Je vais mettre du sucre vanille. On va mélanger. On va mélanger plutôt le tout. Donc on va rajouter le liquide, l'huile et l'eau. Donc l'eau, c'est de l'eau du robinet normal. De l'huile, je vais rajouter de l'huile petit à petit. On va bien mélanger du bout des doigts. C'est une recette très facile à réaliser. Et franchement, on a souvent de la semoule. Et on ne sait pas quoi en faire à part du pain. Donc ça, c'est des galettes à la semoule. C'est très très bon avec un bon verre de café. Ou du thé, du chocolat chaud. La boisson que vous préférez. On va bien mélanger et ensuite je vais rajouter de l'eau. Voilà. Voilà, vous rajoutez de l'eau du robinet. On va bien mélanger le tout et pour avoir une pâte bien molle, facile à la travailler. Et voilà, pour l'ingrédient secret, bien sûr, je vais mettre... Moi, j'ai mis 2 cuillères. Hein. Mettez 1 cuillère à soupe de confiture. Donc pour moi, 2 cuillères à soupe de confiture, c'était trop sucré à mon goût. Donc 1 cuillère à soupe, c'est parfait. Voilà, je mélange bien à la semoule. On va bien écraser, bien pénétrer à la semoule. Et voilà. Donc voilà, on va façonner les biscuits. Donc c'est des biscuits assez simples. Pas de casse-tête. Donc on va simplement les enrouler comme ceci. Voilà, c'est très facile. Voilà, moi franchement, je vais vous dire la vérité, ce genre de biscuits, je mets de la Nutella dessus. Alors là, la Nutella, c'est délicieux. Franchement, avec de la Nutella, c'est une tuerie. Voilà, et on met sur une plaque à cuisson. Vous pouvez également les faire plus grandes. Moi, j'ai fait des moyennes. Et franchement, je vais donner ça aux enfants pour la collation de l'école. Alors, c'est le top. Voilà.
faut pas trop les aplatir. Voilà, comme ceci. Voilà, ensuite, quand vous aurez tout terminé, donc je vais mettre de la semoule fine. Donc je viens les enrober de semoule fine et je les dépose sur la plaque de cuisson. Et ça va y aller au four à 180 degrés. Et je vais vous montrer la cuisson des galettes où mettre la plaque. Voilà, on va entailler les gâteaux pour avoir une belle cuisson à l'intérieur. Et voilà, mes biscuits sont terminés et ça va y aller au four. Voilà, j'ai mis les galettes vers l'avant-dernier du dessus. Comme ça, vous aurez une belle cuisson vers le haut. Et voilà, mes galettes, les biscuits à la semoule sont terminés et j'espère que ça vous plaira. C'est le plus important. Et on passe à la fin de la recette. J'espère que ma recette galette à la semoule vous plaira. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu, le partage et le petit abonnement qui fait toujours plaisir. Et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Attends. Merci et au revoir.